I believe I can fly. Re. Donc, cette lampe. On est toujours mardi. Il est un peu plus de 2h30. Je vous reprends parce que j'ai envie de parler un petit peu avec vous. comment dire que, pour commencer, je suis triste, très triste. Parce que, il y a le chien d'une fidèle abonnée qui nous a quittés aujourd'hui. Donc, vous pouvez baisser le son un peu. Donc, je suis très triste. Voilà. Et je pense très fort à elle. Qu'elle le sache. De toute façon, on discute en privé. Gros courage. Deuxième chose. Je me suis blessé le doigt. Alors, je sais pas si vous verrez, parce qu'à la base, déjà, j'ai des gros doigts. C'est celui-là. Je me le suis tordu. C'est pas la première fois. Ça m'est arrivé déjà il y a quelques années. Il y a un peu moins de 3 ans, je crois. Avec mon ancienne jument. En fait, elle m'avait bousculé et mon doigt, il s'était tordu. J'avais eu tellement mal que le lendemain matin, très 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 tôt, je suis allée à l'hôpital pour voir ce que c'était. Et je sais plus exactement ce que c'était, s'il était cassé ou fissuré ou je sais plus. Mais je sais que là, je ressens la même douleur au même doigt. Et c'est horrible. Je peux presque plus plier par rapport aux autres. Regardez, hop, et là, hop, il a gonflé. Il me brûlait. J'ai mis du... J'ai mis ça. Voilà. Mais bon, ça soulage. Bon. Pas vraiment, un petit peu. Bon. Donc, écoutez, on verra bien. Mais c'est super agréable parce qu'en plus, c'est ma main droite. C'est les doigts dont on, le doigt dont on sert tout le temps. Super. Bon, on va essayer de continuer la vidéo sans le doigt. Donc, alors, le 21, donc il y a 10 jours, tout pile, j'ai passé une petite commande sur Temu. Et ouais. Et ouais. Aïe. Attends, viens pas là, nounou. Tu veux... Voilà, on est accompagné d'un petit serpent. Attention parce que le téléphone, il va tomber sinon. Non, on le voit pas là. Là. Non. Lève ta main. Là. Donne ta main. Voilà. Fais pas tomber le téléphone, il tient pas bien, il est pas bien posé. Non, on le voit pas. T'es trop beau. Faut monter. Bon, Aaron, allez. Le téléphone, il va tomber. Va là-bas, s'il te plaît. Donc, alors, à la base, j'avais dit que je ne commanderais pas sur Temu. Parce que ça m'intéressait pas. Parce que moi, quand j'ai des petites choses comme ça à acheter, depuis X années, je les commande sur AliExpress et j'ai jamais eu de problème. Mais là, en fait, je suis tombée sur une publicité sur Facebook qui montrait un pull. Et ce pull, j'ai craqué dessus. Et en plus, vu que j'ai jamais commandé, je crois qu'il me revenait à 1,94€. Le prix de base... 70%, ça revenait à 1,94€. Alors j'ai dit, tant pis, j'essaye, hein, on verra bien. Hein. Donc, alors j'ai dû installer l'application. Viens pas, nounou. Non, parce que sans l'application, on ne peut pas commander. Donc je mets pour le pull, et ils me disent, minimum d'achat, 5€. Bon, alors, j'ai dit, 5€, il n'y a pas de frais de port. Donc je vais... Arrête. Je vais... commander deux petites babioles pour que ça fasse 5€ aidé. Donc, on va ouvrir ça ensemble. Mais vous voyez, il n'y a pas d'adresse ni rien. Je peux vous montrer comme ça. Je vais le... Mais vous voyez, je sais plus. Je suis tellement contrariée avec tout ça. Je sais plus. Bon, on va l'ouvrir. Ah, voilà. Ah. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Ça a mis 10 jours, tout pile. Alors, comment ouvrir ça? Ah ouais, mais non, les ciseaux avec ma main droite, enfin, mon doigt en moins. Attendez, parce que ça va être très, très compliqué, je crois. Tu vas m'aider? Aaron, il va m'aider.
Attendez, je coupe deux secondes et... Par contre, tu l'ouvres pas, tu ouvres le... Mais tu regardes pas. J'arrive. On a réussi à l'ouvrir tant bien que mal. Donc, le fameux pull. Alors, je sais pas du tout ce que ça vaut, hein, surtout à ce prix-là. Mais moi, le modèle, il me plaisait. Donc, c'est mal. Ça va être un peu plus long, hein, parce que ça fait très mal au dos. Surtout qu'il y a trois choses dedans et je ne veux pas tout sortir en même temps. Il y a une pâte. Oh, il a dit il y a une pâte. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y a une pâte. Ouais. Allez. C'est quoi une pâte? Une pâte de chien. Attendez. Bouge, Tom. Ouais, Tom, il est là. Alors, j'ai... Arrêté. Okay. J'ai mal. Donc, j'ai carrément craqué dessus. On va voir la qualité et tout et tout. Les enfants vont découvrir en même temps. Attention. Merci. Donc, ça a un pull à capuche. Regardez. Il est trop beau, hein, ouais. Avec des cœurs et des pattes de chien. Ah, la matière, ça, elle est bonne. Bah, ça fait... ça ressemble à un pull. Ouais, j'ai une matière... C'est comme un sweat en fait. Regardez. J'ai pris grande taille parce que j'aime bien être à l'aise et que je sais pas comment eux ils taillent. Mais j'ai vraiment craqué sur le pull en lui-même et les motifs, bien sûr. Alors, je sais plus si j'avais pris XXL, je crois. Bah, c'est pas écrit, bien sûr. 2XL, ouais. Parce que j'aime bien être à l'aise. Alors, écoutez, je mets pause, je l'essaye et je vous montre. Hein. Ça va avec ta couleur de voilà bleu. Il est trop beau, il est très large, hein. Mais ça je m'en doutais parce que j'ai pris du XXL exprès. Bon, j'aurais pu prendre du XL, hein. Mais c'est tout à fait mon style. Il est trop beau, regardez. Attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est possible, hein. J'adore. Pour 1,94€, arrête, Aaron, s'il te plaît. J'ai un serpent dans le dos. On va te voir, Aaron. On va te voir. Ça coupera dans le dos, on dit. Ah. Eh ben, je regrette pas. Et moi, c'est les motifs, j'adore, hein, comme ça. Ah, il est large, hein, regardez. Comme si c'était la pâte de Julie, la pâte de ton autre chien, ton autre chien, ton autre chien, son... Et bah, il y a combien de pâtes? 1, 2, 3, 4. Eh ben, aïe. 5. 5. Ah. 1, 2, 3, 4. Benji, Tina, Lucky, Julie. Et je cherche un chien. On rajouterait une patte. Ouais. Il est trop beau. Maintenant, 1. Et la matière, elle est super douce. Touche la matière. Touche. C'est doux. Il y en a, moi, il y en a 5. Hein. Je suis contente. Il y a une patte de chien. Ouais. Un, je peux continuer. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y en a une qui était cachée. Alors ensuite, donc, vu qu'il fallait faire 5 euros, hein, tu peux me donner le coussin, là, le coussin. T'as acheté un coussin. Un coussin, non, ça rentre pas dans le petit sachet. Ouais, ça c'est une mousse de coussin. Mmh. Une mousse de cheval coussin. Comment tu le sais? Bah, parce que j'ai acheté, on va voir si elle va. Une housse de coussin cheval pour Aaron. Ah, c'est tout doux en plus. Attends. Ouais, mais là, attends, il n'y a même plus la lumière. Ah ouais. Alors, est-ce qu'elle va aller? Je ne sais pas. Ouh, trop beau. Ou on veut prendre l'autre auvergne. Non, ça n'ira pas. L'autre, c'est un allongé. Alors, on va essayer. Hein. Et ça, ça a coûté... Non, on va pas mettre pause. Attends. Ça a coûté 2 euros, un truc dans le genre. C'est un rose. J'ai vraiment mal au dos. Hein, si c'est le même que la dernière fois, vous savez, quand j'ai eu ça là, il y a quelques années, comme je vous ai dit, je me suis retrouvée. Attends, tu vas craquer la housse. Avec une attelle. Un énorme machin sur ma main. Tiens, pendant plusieurs semaines. Il est trop beau. Ben non, j'attends du fait. C'est rien, t'inquiète pas. Je vais t'aider avec les dos qui me restent. Bah maintenant, je mettrai de la pommade. J'en ai mis. Je peux pas en mettre tous les 5 minutes. Non, j'en remettrai... Tous les 2 heures. Attends, on va le fermer. Tiens, ferme-le, il y a... Tous les 2 heures, tu mettras donc de la pommade. Donc il y a...
Une fermeture. Et Aaron, il dort avec... Alors, t'aimes bien, Nano? Ouais. Il dort avec deux coussins. Eh ben, il y a son, sa nouvelle housse. Voilà. Et elle est belle, elle est douce. Tiens, mon amour. Ouais. Et... c'est juste que c'est trop grand, mais la fermeture, elle est trop petite. C'est... non, c'est fait exprès. C'est trop grand, mais non, vaut mieux trop grand que trop petit, Nounou. Ouais. Voilà. Et pour finir... et pour terminer, pour faire les 5 euros, Aaron, hein. Regarde pas, regarde pas. Ne regarde pas, ferme tes yeux. Petit, hein. Ouais. Petite, petite peluche. C'est bon? Non, je montre avant aux gens. Non, montre avant. Petite peluche popo. Arrête, Aaron, j'ai mal à mon doigt. Tiens. Regarde. Oh, trop beau. Un tout petit popo avec un gros nez. Et ça, c'était 1 euro et des toutes petites poussières. Il n'y a plus rien. Allez, c'est tout. C'est tout. Va là-bas avec les trucs, chérie. Ouais. Donc, voilà la petite commande. Bah écoutez, je suis pas déçue. Hein. 5 euros et des poussières pour tout ça, quoi. Un beau pull. Un petit et deux petits cadeaux pour Aaron. Et bah un écoutez. Petit quoi bah Aaron, c'est facile en fait de lui faire plaisir. Suffit qu'il y a des chevaux, en fait. Il suffit qu'il y a des chevaux. Et moi, des chiens. Bah toi, des chiens, mais toi, t'es plus difficile, t'es grand. Moi, tout ce que vous voulez. Tu voudrais une housse chien et une petite peluche chien? Moi, ce que tu voudras. Enfin, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Bah, j'espère que ce petit moment avec la fameuse petite commande Temu vous aura plu. Oui, je sais, je suis un peu fouillon. Et donc... aussi que peut-être on va pouvoir faire Halloween. À Halloween. Bon, là, le temps, il est correct. Bah, oui, hein. Parce que là, il fait du soleil. Même. Oui, le temps est correct. Sauf qu'il est que, recule, il est que 3h moins 10 à peine. Qu'il faut que Pépé reprenne Tom. Ah, mais s'il reprend à 5h. Mais il va pas le reprendre à 5h. Il est à 4h30. Et il faut pas que je perde mon doigt en route. Il est gonflé, hein, je vous assure. Et ça fait vraiment mal. Bon, là, un peu moins avec la pommade, mais... ouf. Bon, c'est pas grave. Hein. Après, j'ai eu pire. Hein. C'est cadeau, après tout. Hein. Voilà. Pas tout ton corps. Et il est chaud, parce que là, j'ai chaud avec le pull. Donc, pour l'hiver, ça sera parfait. J'adore trop comment c'est taillé et tout. Voilà. Bon, allez, à tout à l'heure.